Dimanche 13 mai 2018, nous voici dans la rue de Montsigny, Paris 2e arrondissement, où hier soir, peu avant 21h, un Tchétchène de 20 ans, oui, un Français d'origine tchétchène de 20 ans, a commencé à s'en prendre au couteau à des passants. L'un d'entre eux d'ailleurs, un jeune homme de 29 ans, a malheureusement trouvé la mort lors de cette attaque. Certains diront que ce jeune homme, qui aurait très bien pu être vous comme moi, a été en quelque sorte sacrifié sur l'autel du laxisme. Il est certain qu'avant d'accorder la nationalité française à qui que ce soit, comme n'importe quelle nationalité, bien, on serait bien avisé de faire une enquête sur toute personne qui prétende à une nationalité. Évidemment, en un pays comme la France où la liberté d'expression semble se restreindre, eh ben, le fait que l'on dise ça, on va vous copieusement vous insulter de fasciste, de raciste, de membres d'extrême droite, hein, et j'en passe. Et surtout dire ça, ça va écorcher les oreilles notamment des petits bobos parisiens qui constamment vivent dans leur bulle en dehors des vraies réalités. Mais bon, quand je parlais que le laxisme est responsable des divers attentats, c'est une cause parmi d'autres. Hein. Il y a bien d'autres causes, évidemment. Il y a aussi des causes économiques, de politique internationale, etc., etc. Bon, GG a voulu quand même faire cette petite vidéo pour rendre hommage à la malheureuse victime qui a perdu hier la vie, ainsi qu'aux personnes qui furent blessées, dont certaines très grièvement. Comme vous le voyez, dans la rue Montsigny, bon, il y a pas mal de journalistes, mais les activités semblent peu à peu reprendre. Et en plus, l'attentat s'est produit non loin du théâtre des Bouffes parisiens. Et bien, c'est tout simplement à peu près à cet endroit, au passage Choiseul, où Louis-Ferdinand Céline avait passé son enfance. Oui, il avait passé son enfance dans les années 1900, dans ce qu'il appelait alors une cloche à gaz. Oui, parce que le passage Choiseul, alors, fut éclairé au gaz. Il est certain qu'en plus d'un siècle, Paris a bien changé. GG n'ose même pas imaginer comment sera Paris dans un siècle, c'est-à-dire dans les années 2100. D'ailleurs, à l'affiche, vous avez l'acteur Fabrice Luchini
qui a souvent fait des lectures de l'écrivain du voyage au bout de la nuit. Probablement, le jeune écrivain avait-il connu cette boutique, puisqu'il est indiqué qu'elle fut fondée, enfin qu'elle existe depuis 1876. Ah oui aussi, en cette triste journée, une petite mésaventure. Gégé, il était en train de déjeuner par manque de temps dans une enseigne, on va dire mondialiste. Oui, je sais, honte à Gégé sur ce coup-là, mais bon. Quand, à peine 10 minutes plus tard, un des gérants ordonnait à tout le monde de sortir. Parce que là, comme vous le voyez, vous avez une manifestation et le gérant il prétextait que à Parmentier, non loin de là, des casseurs s'en prenaient à divers locaux. Quoi. Voilà. Donc ça rejoint bien toujours ce que Gégé dit, c'est que la France, contrairement aux pays d'Europe centrale par exemple, ce n'est plus un pays normal. Voilà. La liberté s'amenuise de jour en jour, y compris celle de pouvoir déjeuner tranquillement.